Les traces ont disparu, et pourtant la Terre n'a rien oublié, marquée à jamais par le bruit des bombes. Il y a 100 ans, le long de cette route départementale de l'Aisne, 100 000 hommes ont perdu la vie dans l'une des batailles les plus sanglantes de la Première Guerre mondiale. Pendant longtemps, ici, il ne fut question que d'oubli. Mais depuis quelques années, la mémoire du chemin des dames a trouvé ses alliés. Un musée, la caverne du dragon, a vu le jour. Cyril, l'un des guides, nous racontera l'assaut meurtrier du 16 avril 1917. Ils vont obéir aux ordres de leurs officiers, leur demandant de se rééquiper ou de remonter en première ligne. Que retenir de 14-18 quand on grandit sur cette terre de Picardie? Nathalie et François, professeurs de français, y emmènent leurs élèves. Nous les accompagnerons. Bien plus qu'un pèlerinage. La ligne de front du chemin des dames, ce sont aussi ces innombrables carrières souterraines, lieux de vie et de misère pour les soldats. Thierry nous amènera jusqu'à leurs traces. 100 ans ont passé, mais pas l'envie de rendre hommage. Les morts n'ont plus la parole, alors les artistes ont pris le relais. Comme le sculpteur Rein Kern ou le groupe Corps Sarapa, qui interprète le texte emblématique du chemin des dames, la chanson de Crown. L'histoire de ce lieu se raconte à pied, au plus proche de la terre et de ses cicatrices. Noël Janteur est agriculteur. C'est dans la foulée de ses pas que débute notre immersion dans le temps. Il faut s'imaginer que cette terre-là, elle a été complètement dépouillée pendant 4 années, 5 années. Elle souffrait en permanence, la terre. Elle souffrait en permanence. Alors évidemment, les hommes qui étaient dessus subissaient le même sort, quoi. C'est la nature elle-même qui a atténué les traces de la guerre, vous voyez. Si vous regardez autour de vous, vous avez encore toutes les positions, tous les chocs des obus, des bombes, qui sont encore bien marqués. C'est encore un sol qui porte une histoire, c'est pas encore effacé. On est sur un endroit que j'aime particulièrement, qui pour moi a une forme de virginité. C'est-à-dire que c'est encore un endroit qu'on a génération après génération, je suis la 3e génération après la guerre, c'est un endroit qu'on n'a pas encore remis en état. Et moi, maintenant, j'aurais presque une mauvaise conscience de la remettre en état. Parce que c'est un témoignage, parce que c'est l'histoire de ce sol-là. Il y a autre chose, c'est que ce serait trop facile pour moi de mettre un bulldozer là-dedans. Ou une grue. Je vais regarder, moi. Moi, grand-père, il ne regardait pas. À côté, ils l'ont remis en état, il ne regardait pas, lui. Il faisait le boulot avec une bêche, avec un âne, avec un brabant. Ça, c'était de la remise en état. Je ne sais pas où ils ont eu le courage. Quarante années à travailler cette terre meurtrie. Dans la foulée de son père et de son grand-père, on poussait Noël Janteur à comprendre, à connaître la vie de ses soldats, souvent paysans comme lui, tombés dans l'enfer de la Grande Guerre. À l'époque, c'était que des paysans pratiquement qui venaient là, hein. Il y avait des ruraux, en tout cas. Et on a quelques témoignages où des gens du sud-ouest, des Landes, du Gers, et qui écrivent à ce moment-là, qui disent mais qu'est-ce qu'ils ont comme bonne terre là-bas et qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'elle est bonne, la terre sur chemin et dames? C'est des terres à pommes de terre, rien, qu'ils disent. C'est des terres à betteraves. On passe avec la cavalerie dans les pommes de terre, on détruit tout, quoi. Au lieu de s'arrêter, puis ils sont restés paysans, quoi. Le canon gronde et eux, ils pensaient, mais on va sauver les betteraves, on va sauver les pommes de terre. C'est fou, quoi. C'est vraiment fou, quoi, comme situation. Ils viennent crever là, quoi. Et c'est pas leur terre. Et on l'aime autant que notre terre là-bas. Ils viennent mourir là, quoi. Et maintenant, bon, bah, c'est sûr que c'est une histoire qui appartient à ce sol-là, mais qui appartient à tout le monde, quoi. C'était donc il y a 100 ans. Les Allemands en haut de la crête, les Français en contrebas. Un front d'une 40aine de kilomètres coincé entre Soissons, Laon et Reims, pour épicentre le petit village de Crane. Et ce nom, passé à la postérité, Chemin des Dames, référence aux filles du roi Louis XV qu'il empruntait autrefois. Au cœur de ce territoire, Cernay-en-Lannoye et son immense cimetière qui fait office de nécropole nationale. 7500 tombes allemandes, aux côtés de 5000 combattants français. Juste à côté, une modeste chapelle, construite au début des années 50.
à l'intérieur de multiples plaques, dont celle posée en l'honneur des tirailleurs sénégalais. Un hommage tardif, complété plus récemment par l'œuvre de Christian Lapi. 9 troncs dressés vers le ciel, sur l'un des flancs de la caverne du dragon. Voici le musée du chemin des dames, aménagé dans une ancienne grotte. Un lieu symbolique, théâtre de nombreux affrontements dans lequel on retrouve quelques vestiges. Les troupes allemandes et françaises l'occupèrent à tour de rôle. Les visiteurs y pénètrent aujourd'hui comme on le faisait autrefois, en acceptant de se retrouver 15 mètres sous terre. Une plongée dans le quotidien des régiments, le bruit sourd des canons en moins, et la voix de Cyril, notre guide. 30 millions d'obus d'estimés ont tapé le chemin des lames. Donc il faut imaginer, hein, même si c'est difficile à se l'imaginer, la puissance de destruction d'un seul obus. Une ambiance qui marque les esprits. 90% d'humidité et une température qui ne dépasse pas les 12 degrés. Les gens n'ont pas voulu évidemment garder toutes ces tranchées, tous ces blocos. Ils ont voulu les cacher, les casser, les enterrer. De retour à la surface, vue imprenable sur la plaine et ses champs de bataille. C'est ici, au petit matin du 16 avril 1917, sur une terre déjà brûlée par 3 années de guerre de position, que débute l'assaut qui doit changer le cours de la guerre. Le commandant en chef des armées françaises, le général Nivelle, en a décidé ainsi. Le général Nivelle, il va vraiment motiver ses troupes en leur disant « Confiance et courage, vous allez reprendre le chemin des lames et c'est la victoire finale qui s'offre à nous. » Il pense avoir trouvé à Verdun la nouvelle méthode militaire pour reprendre une guerre de mouvement. Puisqu'il utilise 6 millions d'obus en 10 jours dilués sur 40 km de front, 1 200 000 hommes, 500 000 chevaux, 5 000 canons, et normalement ça doit passer. Le problème c'est qu'on a une crête qui est juste là, que les Allemands tiennent depuis 2 ans et demi, qu'ils ont creusé, camouflé, bétonné, et finalement le 16 avril 17, le chemin des lames que l'on attaque, eh bien, n'est plus du tout celui que l'on connaissait au mois de janvier 1915. L'offensive devait percer les lignes allemandes en moins de 48 heures. Mais dès le 16 avril au soir, c'est un constat d'échec. Les avancées sont minimes et les pertes énormes pour l'armée française. Les blessés se comptent par milliers. Et pourtant, le général Nivelle s'entête, poursuit l'assaut pendant un mois, sans plus de résultats. Il y laissera son poste, remplacé par Pétain. L'espoir ici, c'est d'en finir. Mais quand cet espoir, il est tant attendu et qu'il s'effondre, bah le moral aussi s'effondre. Ces généraux pensent qu'une journée de plus, une semaine de plus, ça permettra finalement de passer. Et puis même si on avait eu 2 ou 3 fois plus de pertes, mais une victoire, bah on n'aurait retenu que la victoire. Alors que là, eh bien on s'entête et ça ne fera qu'aggraver les choses après cette offensive de trop. Une plaine jonchée de bombes que l'on retrouve encore aujourd'hui au détour d'un bosquet, au pied d'un talus. La guerre qui se rappelle à vous, qu'on le veuille ou non. Parfois les vieux disaient « Oh, c'est encore un drôle de suppositoire celui-là ». Tiens, c'est pas une tête en cuivre, hein. Ah, une partie en cuivre, une tête en ferraille. Voilà, bah ça, il y en a partout. Hein. Et tu vois, quand on voit qu'il a été tiré, il y a la rayure du canon sur la bague. Cet héritage, Noël Janteur a voulu le transmettre à son tour, notamment aux jeunes générations. Et rien de mieux pour cela qu'une sortie sur le terrain, au plus près de la réalité des combats. Ils avaient prévu qu'en 3 jours, il fallait qu'ils fassent 100 mètres, 100 mètres tous les 3 minutes, les soldats. Là, on vient de faire 100 mètres en 3 minutes 15. Vous ne trouvez pas qu'il y a quelque chose qui ne va pas, là? Les soldats, certains me disaient, quand on arrivait à la deuxième terrasse, on avait déjà 3-4 kilos de terre au pied, plus les 34 kilos sur le dos, voyez, plus les mitrailleuses en face.
Les mitrailleuses étaient là, à 100 mètres, là, allemandes. Parce qu'ici, ça s'appelle le ravin sans nom. Donc il n'y avait plus d'arbres. Hein. Ici, bien non, on a de la végétation autour de nous, on ne voit pas, on ne se rend pas compte. Mais là, la terre était nue. On était sur la lune, hein. Ils étaient sur la lune. Hein. Donc les compagnies, ils attaquaient là. Et dès qu'ils sont arrivés, les premiers bonhommes sont arrivés là, ils se faisaient déglinguer. Folie douce, hein. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Non mais... c'est même pas la peine d'envoyer des bonhommes, on sait que ça ne montera pas, que ça passera pas. Quoi. Et là, il y en a partout. Là, il y a des bonhommes partout. Hein. Partout, il y a des bonhommes. Hein. C'est affreux. Hein. Cent ans avant, on aurait marché sur des morts, en fait. Nous, on a à peine 2 kilos sur le dos, eux, ils en avaient 30. Avec la boue par terre et tout, ouais. On se dit comment ils ont fait, quoi, avec des gens qui leur tirent dessus. Ils n'avaient pas forcément de vie, en fait. Ils étaient tout le temps au combat et ça devait être dur pour eux, en fait, moralement ou même physiquement. Ça ne doit pas être facile de voir des amis tomber ou même ses proches. Pour ne pas recommencer les mêmes... Enfin, pour ne pas recommencer ce qu'on a fait, quoi. Les erreurs ? Ouais, les erreurs. Allez, on y va, on monte tout doucement. On court pas, mais... Eh, je vous préviens, c'est moi le lieutenant, alors on ne dépasse pas. 4 années d'enfer, puis la vie qui reprend, même si plus rien ne sera comme avant. Crâne, avant la guerre, c'est 300 maisons, 1000 habitants, dont il ne reste plus rien en 1918. Mon grand-père, qui est parti, il avait 16 ans, il est revenu, il avait 21 ans, 5 ans après, 4 ans et demi après, il n'a pas reconnu son village alors qu'il était paysan. Il n'y avait pas de végétation, il n'y avait plus rien. Quand il est revenu, il a dit, mais c'est pas possible. Alors imaginez, vous rentrez ce soir, vous allez chez vous, plus de maison. Plus rien, plus personne. Tout défoncé. Tout retourné. Aucun repère. Pour ça, ce lieu-là, le chemin des dames, vous qui êtes axonnais, vous qui êtes de ce village-là, intéressez-vous à l'histoire de votre village. Vous verrez, vous allez découvrir des histoires comme les miennes. Pourquoi se souvenir ? Et comment approfondir ce travail de mémoire ? Dans leur collège de Corbeny, tout près de Crâne, les professeurs ont voulu aller plus loin. Depuis plusieurs années, François et Nathalie proposent à leurs élèves de s'appuyer sur les écrits, les œuvres d'artistes, et les témoignages d'époque. L'armée estime qu'ils ont fait quelque chose de mal. On n'en prend que quelques-uns qui servent d'exemple aux autres. Le plus gros des fusillés, pour l'exemple, c'est ça que vous avez à préciser, c'est en 14. Et c'est pas chez nous. Et les tirailleurs sénégalais, que veut dire un tirailleur ? Qu'est-ce qu'ils faisaient là ? Et montrer que sénégalais, ça veut pas dire du Sénégal. Ça veut dire du pays d'Afrique très varieux. C'est vrai qu'il y a le cours d'histoire-géographie, très important, des faits, des événements, des analyses. Après, il y a un changement de point de vue à opérer. Et quand on est sur le terrain, qu'on se promène, ou bien qu'on voit des œuvres, ou qu'on lit des œuvres, forcément, par le biais des artistes, on va arriver à une autre vision, à quelque chose de plus personnel. Le regard sur la guerre de 14, il continue à exister, et on a sur place des tas de regards différents. On est aussi dans un moment rare où des gens auprès de qui on peut encore recueillir une parole sont... Il n'y en a plus beaucoup. Hein, des gens qui vous parlent des choses parce qu'ils ont connu des gens qui l'ont vécu, qui en parlent avec leur chair, c'est quelque chose qui n'est plus si fréquent que ça sur la Première Guerre mondiale. Et je pense que les gamins sont conscients que ces témoignages-là, qui sont presque encore des témoignages de première main, ben, c'est les derniers. Hein. Revenir sur la guerre de 14, voir ce que c'est concrètement que la guerre, ça les renvoie aussi aux images de la guerre qu'on a ou qu'on n'a pas d'ailleurs, dans le monde d'aujourd'hui. Le vrai rôle de la mémoire, il est là. C'est la commémoration, se souvenir, c'est pas être dans la déploration, même s'il faut l'être certainement, mais se dire, bon ben, qu'est-ce qu'on en retire pour aujourd'hui ? Quelle vision du monde on a aujourd'hui à travers ça ? Quoique la ville au bois, c'est pas là qu'il y a la stèle à Pauline ? L'histoire du chemin des dames est donc bien vivante. Dans les grottes, ils ont mis des panneaux, ouais. Des panneaux expliquant ce qu'il y avait dans ces grottes pendant la guerre. Et parfois, elle est même parvenue jusqu'à nous de façon beaucoup plus mystérieuse. En cherchant bien, on peut tomber sur de petits trésors, des signatures d'époque. Simple graffiti ou vrai bas-relief laissé par les soldats. Des traces rupestres que l'on trouve par milliers dans les anciennes carrières de pierre, les creutes, comme l'on dit ici, occupées par les régiments durant toute la durée du conflit.
Nous y descendons avec Thierry en compagnie d'Hervé, qui en a exploré des centaines. Ces troupes bénéficient de nombreux temps libres. Alors, comment faire pour occuper son temps libre ? Certains vont se lancer dans l'artisanat de tranchées, d'autres tiennent un carnet de route, et puis d'autres vont également avoir l'idée de laisser une trace de leur passage sur ces parois. Ils sont dans une période exceptionnelle, ils sont en guerre, donc ils ont un comportement exceptionnel, ils vont laisser une trace de leur passage, voilà, j'écris, donc je vis, donc j'existe. Ce sont des traces qui expriment l'esprit de corps, le fort attachement des combattants à leur unité. Sous ces épaisses parois de calcaire, à l'abri des bombardements, mais dans le froid et l'humidité, les soldats s'organisent, construisent même quelques lieux de prière. Ces chapelles ont servi de lieux de culte et on a de nombreux témoignages qui émanent soit de combattants, soit de prêtres, soldats, soit d'aumôniers qui nous décrivent ces messes. Et on a des descriptions assez saisissantes et lors des grandes fêtes, Noël ou la Toussaint, il y avait une assistance particulièrement nombreuse. Lorsqu'on fait des recherches sur certains de ces combattants, on s'aperçoit que parfois, ils sont morts 15 jours après avoir réalisé cette trace rupestre. Donc ces êtres humains ont séjourné ici, ont souffert, mais avaient également des copains, ont pensé, ont rêvé, et puis ont espéré pouvoir se sortir du conflit. Aux traces rupestres laissées par les soldats s'ajoutent désormais des visages beaucoup plus énigmatiques. Ce sculpté par Raim Kern, artiste français d'origine allemande, qui a imaginé une œuvre rendant hommage aux victimes du chemin des dames. Quand on crée une tête, et j'en ai créé pas mal, c'est elle qui parle d'elle-même. Les yeux ne sont pas clos, ne sont pas tout à fait ouverts. C'est comme s'ils sortent d'un sommeil, mais ils ne pourront pas aller jusqu'au bout. Il n'y a pas de différence entre eux. Leur souffrance est la même, a été la même. Leurs origines, leur identité est commune. Ce sont des gens qui ont perdu la vie, qui ont donné leur vie. Depuis presque 20 ans, c'est une œuvre qui habite ma vie. Ils n'ont pas choisi leur sépulture. C'est le titre de cette immense sculpture de bronze commandée par l'État. On est à 2 mètres, là, au moins. Là, on est à un petit peu, à peu près. Une renaissance pour une œuvre créée il y a 20 ans. La voici, à l'époque de sa première installation sur le site même du Chemin des Dames, avant qu'elle ne soit vandalisée par deux fois, puis dérobée. Un affront à la mémoire des combattants. Là, ça passe déjà. Désormais réparée. Avec cette nouvelle sculpture identique à l'œuvre originelle. Il est facile de manifester de l'empathie. De dire, ah là là, ils ont souffert, ils ont donné leur vie. C'est facile tout ça. Mais c'est le respect qu'on doit avoir pour eux. Je pense aux vies qu'ils ont eues, au courage qu'ils ont dû montrer, aux difficultés, aux épreuves auxquelles ils ont dû faire face. Quand un copain tombait à côté, c'était un copain qui manquait à sa propre vie. C'était atroce. On me demande de faire un hommage aux soldats, aux hommes, à ceux qui n'ont pas pu entendre le clairon, la fin des combats, le cessez-le-feu. Les cadavres qui sont encore dans le sol, on ne peut pas les séparer, on ne peut pas les reconnaître. Donc finalement, cette sculpture est devenue le monument de tous ceux qui sont là en dessous. C'est la force de cette mémoire, la force de ce territoire. Du plateau de Californie où tant d'hommes sont tombés et demeurent à jamais, s'élèvent encore des voix. Une complainte qui a traversé le siècle, des textes de soldats que le groupe corse Arapa, après tant d'autres, a choisi de mettre en musique.
ces soldats ne sont plus là pour témoigner. Il faut bien que d'autres le fassent à leur place. Nous ne sommes que les, pas des témoins, mais on essaye de transmettre, par passion d'abord, hein, tout ce que ces gens-là n'ont pu nous raconter. Il est évident qu'on ne pourra pas ressentir ce qu'eux ont ressenti. S'ils ont écrit, s'ils ont transmis, c'est qu'ils voulaient que nous, nous soyons là pour faire connaître ce qu'ils ont écrit. Mais je verrai toujours, éclairant la bataille, les tragiques lueurs de ton ciel au Verdun. Certains disent, bon, il faut oublier tout ça, c'est du passé, c'est vrai, ça fait longtemps maintenant, il y a d'autres choses, il faut tourner la page. Mais peut-être que si nous, on avait des choses à dire maintenant, pour les générations futures, on aimerait bien que les gens sachent plus tard. Mais c'est bien fini, on en a assez, personne ne veut plus marcher. Et quand on chante 14-18, on chante forcément la chanson de Crown, l'hymne des poilus si longtemps censuré tant il symbolise les révoltes qui ont suivi la bataille du chemin des dames. Les soldats qui ont fait le chemin des dames étaient des soldats qui, pour la plupart, avaient déjà fait Verdun en 1916, avaient fait la Marne en 14, ils avaient fait la Champagne en 15, qui croyaient enfin cette guerre finie, qu'ils allaient pouvoir retrouver leurs enfants, leurs femmes, leurs familles. La révolte là est criante, et ces hommes vont, dont cet homme dont on ne connaît pas le nom, va écrire la chanson de Craon sur un air qui était déjà connu, de Valls. Hein. Donc ils se sont rendus compte à un moment donné que l'histoire, que ce soit la patrie, que ce soit l'honneur, les médailles, tout ça, il fallait laisser ça de côté et penser à ce qu'ils étaient réellement pour ceux qui les envoyaient, c'est-à-dire des pions sur un échiquier, l'échiquier des tranchées, l'échiquier de la guerre, l'échiquier de la mort. Adieu la vie, adieu l'amour, adieu toutes les femmes. C'est à Craon, sur le plateau, que cette justice infâme. C'est à Craon, sur le plateau, qu'on doit laisser sa peau. Car nous sommes tous condamnés, nous sommes les sacrifiés. La première fois que j'ai entendu la chanson de Crâne, c'était l'hiver. Nous, souvent, on écoutait des histoires de chasseurs. On était petits avec mes frères et sœurs. On se glissait sous la table avec les chiens. Et je me souviens d'une fois, il y a un monsieur qui était là à la chasse. Et après avoir bu un coup ou deux, je ne dis pas qu'ils étaient sous, mais qu'ils étaient... on est plus mélancolique, on est plus poète quand on a bu un coup. Et il s'est mis à chanter la chanson de Crâne. La première fois que j'ai entendu cette chanson-là. Et je me souviens qu'il ne l'a pas fini. Après, j'ai su qui c'était, quelle était son histoire. Évidemment, c'est un ancien de la guerre. Et je me souviens qu'il n'a pas chanté toute la chanson de Crâne et qu'il s'est mis à pleurer. Vous voyez, à quel point c'était dur. Et ça, c'est un souvenir comme si c'était hier, quoi. Réhabiliter la mémoire du chemin des dames, cette bataille oubliée, des fêtes honteuses associées aux mutineries, ce fut l'obsession de Noël Janteur. Au pied des ruines de l'église de Mézy, après bien des années d'efforts, il a fait poser une petite plaque dans le cimetière communal. Les noms de 3 fusillés, pour l'exemple, y sont inscrits. 3 soldats du 18e régiment d'infanterie de Pau. Parmi eux, Jean-Louis Lasplacette, exécuté avec ses camarades l'année de ses 30 ans, le 12 juin 1917. Ce gars-là, Jean-Louis Lasplacette, était berger à Edius. C'est un village de montagne. Quand j'y suis allé, j'avais mal au ventre, quoi. Parce que c'est un berger qu'on a arraché de son troupeau et qu'on a venu fusiller ici. Ici à Mézy, après avoir fait tous les exploits qu'ils ont fait, tous les sacrifices qu'ils ont fait, toutes les douleurs qu'ils ont eues, on est venu ici les fusiller. C'est des soldats qui n'ont jamais refusé de défendre leur pays, sauf qu'ils ne voulaient plus participer à des attaques complètement inutiles et meurtrières, à des carnages, quoi. On a rendu hommage à ces hommes-là.